Notre histoire débutait une fois encore. Allons, du calme, mon grand. Plus un bruit. C'est une bibliothèque, après tout. Tu as trouvé une souris? Ainsi, je ne suis pas seule ici. Talisman, il pleut. Pas d'aventure nocturne aujourd'hui. La chambre forte de la bibliothèque et la carte au trésor sont proches. Oh, j'aurais dû demander à un de ces nouveaux chevaliers de garder les lieux la nuit. Mais ils me font un peu peur. Ils ne dorment, ni ne pensent, ni ne mangent. Et comment sauraient-ils prendre soin de nos livres? De nouveaux chevaliers? J'y suis presque. Zoya n'avait pas l'habitude de ne pas parvenir à ses fins. Ces champignons semblent dangereux. Je devrais faire attention si j'en croise. Oh, quelqu'un avait maille à partir avec cette vieille tombe. Elle a été réduite en sable. Quel étrange sable. On ne dirait pas le résultat d'une boule de feu. Ou d'une boule de... glace. Boule de neige? Non, c'est pas ça. Si. ah
Je me demande si un magicien a ensorcelé ce... Rien ne se passe. C'est si gentil. Il porte des fleurs et des bougies à sa main. Et des dessins. Mais toutes ces lignes et ces cercles sont un peu trop modernes à mon goût. Voyons si je trouve mon malfaiteur dans ses rues. Mon fidèle bouclier, c'est pratique. Il ne reste plus que l'arrière du cimetière à inspecter. Squelette, c'est plus... Amadeus le magicien ne vivait pas... Oh, cet endroit est merveilleux. Mais il est temps que je rentre. Adieu, buffet. Pardon. Désolé, désolé. J'y serai plus vite si je prends un raccourci. Là, par-dessus la montagne.
raccourci me fait gagner du temps, mais il est plus éprouvant. Pas mal. Attendez de voir mon spectacle d'invocation à 6 heures. Bonté divine. Ce n'était que du savon. J'espère que ce serpent n'est là que pour le spa. Ah, la réception est juste là. Amadeus, Pontius et Zoya se retrouvèrent à l'Académie. Toi qui es toujours si impeccable d'habitude. Il m'est arrivé une mésaventure en venant ici. Oh, on dirait que c'est ici. Et pas d'invité. Mais il y a du gâteau. D'Amoror, en chasse! Vous voilà! Je n'arrive pas à croire. Bonjour, monsieur. Madame, en raison de sa taille inhabituelle, cet animal magique aime dévorer des carottes. Ses homologues de plus petite taille se nourrissent habituellement d'insectes. Chevalier, protégez-moi de ces vautours.
Venez, Dame Aurore. Nous... Désemparée à la suite des révélations de Dame... Oh, qu'allons-nous bien pouvoir faire? L'heure est grave, très grave. Nous allons rejoindre le château et informer le conseil que Dame Valcouronne est devenue folle et dangereuse. Oh, des explosifs. Pas de boule de feu cette fois. J'espère que c'était le seul chevalier mécanique aussi. Académie astrale. Hé, attendez un peu. Pontius s'aventura dans les bois et découvrit quelque chose de curieux. Un chemin caché traversant le plateau rocheux. Voilà un endroit cela bien m'intéresse. Intéressant. La situation est grave, mais pas désespérée. Voilà.
les chevaliers des champs. Nous devons passer par la rose rouge avant de rejoindre la rue. Les héros de la meilleure cuisine du royaume après celle du château. J'espère qu'ils ont des plats à emporter. Ces maudits tas de ferrailles ont mis le feu. Oh non, les chevaux. Allons les aider. Amadeus, Pontius et Zoya. L'académie a dit... Passons par les ruelles pour atteindre le château sans attirer trop d'attention. Les gens du coin ne risquent pas de nous agresser. Uniquement si tu leur parles comme ça. C'est bien le raccourci louche que prendrait un chevalier mécanique se cantonne aux rues principales. Jusque-là, ça va. Ne bougez pas, je dois aller vérifier. Zoya avait remarqué un message à son attention laissé par ses associés. La guilde des entrepreneurs semblait avoir des projets pour notre voleuse. Les héros de Trine ont réduit l'académie astrale en cendres. Ce n'est plus qu'un tas de poussière abandonné aux éléments. Ah, c'est surprenant que ce soit pas arrivé plus tôt. Tiens, tiens, tiens. La guilde est étrangement généreuse ce soir. Ces flèches ont du ressort. De retour. J'espère. J'ai entendu dire qu'Amadeus, le magicien, a invoqué une boule en acier pour détruire l'Académie Astrale. C'est la grille qui a épousé la propriétaire des produits arcaniques de l'Académie. Les gens comme lui n'ont pas leur place dans notre paisible royaume. Il paraît que sa barbe est fausse.
ville a tellement évolué ces 10 dernières années. On la reconnaît à peine. C'est grâce au pouvoir de Trine que nous avons protégé cet endroit. Tout le monde veut tirer profit des héros. Vous êtes courant ? Les héros de Trine ont saccagé la rose rouge. Bizarre. Ça ne ressemble pas du tout aux héros de Trine. Ça doit être une erreur. Nous sommes presque au château. Le château royal n'abritait plus ni roi ni reine. Direction la salle du conseil. Il va falloir rentrer et traverser tout le château d'abord. C'est de la matière anti-lévitation. Un Némésis. Intéressant. Comme si on avait voulu ralentir un magicien vous capable de léviter. Les cuisines royales. Il faudra nous y rendre une fois notre quête achevée. Quelle odeur divine. Dame Aurore est mentionnée sur cette tapisserie. Dame Aurore Hydrangée Argenia Valcour. L'armurerie est à côté. Peut-être. Amadeus se retrouva bientôt dans la partie de l'armurerie où étaient gardées les armes et armures magiques. Une armure, ce n'est pas vraiment mon style. Ah, encore ce machin. Voilà qui serait pratique. Un magicien doit savoir maîtriser ses boules. Et pas les mains vides. Mais les mains sont absolument vides. Voyons ce que tu as là. Ah.
c'est Dame Aurore. Suivant les conseils du seigneur Godric. D'où viennent ces chevaliers mécaniques, au juste? C'est le conseil qui avait décidé d'avoir recours à eux. Les vrais chevaliers ont été envoyés au bastion de l'espoir. Mais qui a construit les chevaliers mécaniques? J'ai du mal à imaginer Aurore mettre les mains dans le cambouis. C'est une bonne question. Oh! Pourquoi ces blocs flottent comme ça? À cause d'un enchantement de lévitation, mon ami. Très rudimentaire, évidemment. Pas de nature à remplacer un puissant magicien. Regardez, là-haut, les héros de Trine. Mais qu'est-ce qu'ils font? Amadeus invoque une boîte. Bonjour, c'est bien moi, le splendide magicien des boîtes. Étrange, il ne fut pas d'habitude. Manque d'éthique. Oh, des aimants. Ouf, il n'attire pas mon armure. Deviennent de plus en plus tortueux, on dirait. Thank you.
de soldats de plomb. Étrange. Je dois dire que pour une aventure, celle-ci était particulièrement courte. Heureusement, j'ai une carte au trésor qui m'attend. Ça me laissera le temps d'aller embrasser les triplés. Du calme, vous deux. Finissons-en ici d'abord. C'est une tour très élaborée. La bâtir a pris des années. Comme pour l'escalader. Oh, ils sont ensemble maintenant. Ils ne peuvent pas nous vaincre. J'aime ton optimisme, Pontius. Les petits morceaux se sont unis pour faire un gros truc. C'est facile quand on y réfléchit. Pourquoi vous admirez cette chose? Elle essaie de nous tuer. Bonté divine, bonté divine. Ce n'est pas ce qui était prévu. Et si j'ai fait ça? Qui va là? J'étais à la bibliothèque. Derrière le mur, il y a un passage secret. Cet endroit est un vrai labyrinthe. Je pensais pouvoir vous aider, mais voyons, il y a quelque chose d'autre. Qui est-ce? Je ne la connais pas du tout. Quelqu'un qui n'avait pas la même vision des bibliothèques que moi. Eh bien, voyons où elle nous conduit. Cet endroit ne m'emplit pas de confiance. Oh, comment va-t-on réussir à traverser ces ténèbres? En allant tout droit. Allez. L'idée d'avoir entreposé des barils explosifs dans ce trou. Drôle, comme dans « On va tous exploser si on les allume d'un coup ». Il ne faut pas mourir comme un rat au barbecue ici. Yeah.
chers compagnons, veuillez m'excuser. Ils s'en remettront. Allons voir ces flèches. Tu devras traverser quelques puits sans fond. Dis-moi, tu comptes pas me retirer dessus ? Ce ne sera pas du tout un problème, je te rassure. Désolée pour ça. Cette statue ressemble à une araignée géante. La dernière que j'ai vue n'était pas vraiment charmante. C'est rien. Bonjour, mes mignonnes. J'ai d'autres flèches. Vous avez vu ça ? Oh, plus de monstres dangereux dans les ténèbres. Quoi que ce soit, ce n'est pas ça qui va nous aider. Dû devenir plombier. Oh, salut, camarade. Amadeus, le plombier. Pauvre petite. Bien. C'est peut-être ce qui je nous attend. Je veux bien t'accompagner pour cette fois. Piégé, oublié dans les ténèbres. Je crois que la chevalerie, c'est fini pour moi. Vous voulez pas réfléchir à ta reconversion professionnelle quand on aura vaincu Aurore ou un mec. Attendez. Qu'est-ce qu'on fait, là? Je ne peux pas abandonner mes enfants. Tu peux rien pour eux. J'imagine. Écoutez, il faut... Il faut continuer. Comment connaissais-tu ces donjons ? C'est elle qui a décidé de remplacer les chevaliers par ces horribles automates. Ravie de vous rencontrer enfin. Livrés à eux-mêmes, nos trois héros allaient devoir s'en... L'air n'est pas de la première fraîcheur. Ça fera l'affaire. C'est parti, la grande évasion. Évasion. Ce n'est pas très héroïque. On est encore sur Terre? Ou sous Terre?
Peu importe, c'est magnifique. Oh, étrange, ces vaisseaux sous-marins. Amadeus, Pontius. On peut pas errer dans ces tunnels toute notre vie. Il nous faut un plan. Aucun plan ne ramènera notre fille. L'Académie Astrale est détruite. Nous n'avons pas d'alliés. Allons voir ce qui se passe. J'aurais dû emporter mon maillot. Et les triplés. Ces monstres ont capturé tes enfants. Que peut-on y faire? Vous vous souvenez quand on chevauchait des bulles dans les marais? Me semble familier. T'as déjà vu cette ville? Il y avait aussi un château sous l'eau ici. Mais oui, avec un cœur maudit. Ah, c'était le bon vieux temps. Clandestin dans le tunnel. L'un de vous sait comment manœuvrer ce sous-marin? Ça n'était pas au cursus de l'Académie Astrale. Je refuse d'aller dans cette bassine.
Ça a l'air dangereux. Faites place! Je ne veux pas mourir comme ça! Ne nous poursuit plus. Quittant enfin les tunnels des contrebandiers, des grottes pleines de gemmes. Si la situation n'était pas ce qu'elle est, je ne dirais pas non à un petit détour dans cette caverne au trésor. Regarde, Amadeus. Promène-toi à ta guise, alors. Ça ne te fait rien ? C'est pas comme si on pouvait sauver le royaume. Oh, non. Nous devons aller de l'avant. Héroïquement. Des rats, les grands héros. Combien ces précieux gemmes ? Au regard de la loi, c'est peut-être leur grotte. Et donc, leur fête. Si on les rencontre, on leur expliquera qu'on ne veut pas les voler et qu'on leur souhaite bonne chance. Ah, ça marche super avec des gangsters armés qui tapent d'abord et posent des questions ensuite. Pontius, tu veux pas aller voir ce qu'il y a là en bas ? Un peu d'aventure te ferait pas de mal. Maintenant, alors que tout le royaume est parti en fumée. Scientifico-magique. Voilà que je suis deux. Voyons voir ce bidule en action. Le nouveau Pontius est bien calme, non ? Le butin était facile dans la vie, monsieur. Pourquoi revenir se casser les chines ici ? Cette bourgeoise de Tamoror a dit qu'elle avait plus besoin de nous. Elle a ses chevaliers pour s'occuper. Vous avez entendu ce que disaient les rats avant ? C'est Damoror qui les a fait venir.
Ce n'est pas très civique. C'est ainsi qu'elle a imposé Amadeus, les chevaliers mécaniques. Tu n'as pas une elle fois prévoir son coup depuis des années. Tu ne devrais pas prévenir ta femme que tu es en vie et que vos enfants ont été enlevés. Eh bien, techniquement, Margaret veut qu'on ne vive pas ensemble pour le moment. Je ne sais pas si elle veut nous. Revenons à nos moutons. Affronter des hordes de rats pour sortir de cette grotte? Non. Je veux en entendre plus sur Amadeus et Margaret. Arrête avec ça, s'il te plaît. Je ne veux pas que Margaret apprenne en plus que les triplés ont des ennuis à cause de moi. Mais c'est la faute de Glamoror. Pas sûr que Margaret le pense. Enfin sorti des tunnels. Oh, de l'air frais. J'ai l'impression que ça fait une étape. Au cours de leur expédition dans les tunnels où... Je dois vous dire, ces gens à l'observatoire, ils ne sont pas comme les magiciens que vous connaissiez à l'académie. Donc ce n'est pas des snobs avec un sentiment de supériorité. Super. Regardez ça. Non, plutôt... On dirait que tout le royaume... Disons que ces trois-là ont leur raison pour s'être exilés ici. Magiciens dans l'observatoire. Ils sont retenus prisonniers? Pas du tout. Je dis simplement qu'il faudra être prudent. Quoi? On ne va quand même pas c'est voir des gens idéal pour un bord. Pas du tout. Ils ne sont pas très populaires, c'est tout. Et ils n'aiment pas les visiteurs. Ce panneau indique une... Au milieu des chemins forestiers brumeux, Amadeus découvrit une clairière magique. Une ancienne magie de montagne. Aucune raison que ça tourne mal. Oh, un compendium de lévitation.
splendide construction, je pourrais invoquer... Non. Votre magicien après... Que sais-tu d'autre sur ces magiciens, Amadeus? Elga est une grande astronome. Elle est les gens. Et aime l'observatoire. Barbara fait de la magie avec les feuilles de thé et l'huile. Ah non, a l'air d'une menace. Puis il y a Valerius qui a transformé son ami en pierre qui s'est ensuite brisée. Valerius est en congé maladie depuis ce jour. Une joyeuse petite bande. Nos héros espéraient obtenir de l'aide à l'ob... Alors ça ressemble à ça, un observatoire? Au moins, Dame Aurore n'a pas fait sauter l'endroit. Encore un tour de magicien à l'œuvre. C'est de la recherche de pointe. Ou bien un verrou. Retenez, c'est... Je vais m'occuper du magicien fugitif. Le magicien mécanique qui a parlé me rappelait quelqu'un. C'est amusant. Je pensais la même chose. Oh, ça me revient. L'automate de tout à l'heure parlait comme Wilhelmina. La grande magicienne de l'Académie Astrale? Oui, c'est ça! Sauf que sa voix n'est pas aussi... métallique. Attention à ces espèces de rayons rouges!
Quelle belle pièce! Je crois que ça s'appelle un planétarium. On y projette les étoiles et les planètes au plafond. Ah oui, je vois. Explosez cette ferraille! Barbara, on arrive! Pourquoi l'observatoire est truffé de rayons mortels? Les défenses de la tour ont dû s'activer quand les chevaliers mécaniques ont attaqué. Rayons mortels ou pas, avançons! Nous avons une magicienne à souffle. Et ça alors? C'est évident! Un rubis, une émeraude et... Je ne connais pas la troisième pierre. À l'évidence, ce sont des planètes. Attendez, ces chevaliers mécaniques sont pétrifiés. Ça, c'est signé Valerius. Heureusement que l'un de ces magiciens sait se défendre. Quelqu'un aime Jara peut-être nous aider. Encore des planètes. Pourquoi l'une est de couleur différente des autres? C'est une représentation fidèle? Non, elle... Vous ne pouvez pas comprendre ces concepts académiques importants. Barbara, une magicienne de l'observatoire astral. Dame Aurore enlève tous les magiciens pour leur voler leur pouvoir. C'est ce qu'elle a tenté de nous faire pendant cette fausse cérémonie à l'Académie Astrale. C'est ce qu'elle va faire autour. Ravissons juste ici. Leur voler leur magie et ils finiront comme Wilhelmina. Margaret et moi ne les réconcilierons jamais si ça. Pour que ça leur arrive. Ce ne sont pas de puissants magiciens. Pas encore. Ouais, tu as raison. Et tu ne devrais pas te soucier plus d'eux que de ta relation avec Margaret? Quoi? C'est ce que je fais. Mais imaginez la colère de Margaret si je rentrais à la maison sans eux. Ou avec des bouts en regardant ces renards. D'accord. Ils sont merci. Oh, qu'ils sont mimi. Je me demande ce qu'ils peuvent bien tramer.
Je sens un trésor, non ? Les yeux aiguisés de Zoya aperçurent le scintillement d'un coffre mystérieux caché dans un bosquet sur une colline. Il fallait absolument qu'elle découvre ce qu'il renfermait. Va, mon grand, tu es libre. Merci. Voyons voir ce que ça fait. C'était plutôt intéressant. Cette corde, c'est quelque chose. Un truc utile. Tant que ça nous aide à sortir de ces bois. Ce village ne demande qu'à être pillé. Pas si vite, bande de voyous. C'est ça, fuyez, lâche. Thank you.
du bastion passe à travers ces marais. Pourvu qu'on ne se voit pas. Les renards sont venus nous saluer. Devine ce que je regarde, quelque... Un dernier obstacle se dressait entre... Dis, Pontius, on doit vraiment traverser ce marais pourri pour atteindre le bastion? Oui, c'est comme ça. On pourrait prendre la route, mais je ne sais plus où elle est. Attention les pieds! Ce marais semble capable de nous avaler vivants. Mais c'est Florianus, c'est ce monstre de Damoror! Beaucoup moins bien d'un coup. Les chevaliers mécaniques sont passés par ici. Ils ont volé les pouvoirs de Valerius et ont pétrifié les chevaliers. Comment sauver ce pauvre magicien? Commençons par trouver la boîte de conserve qui renferme les pouvoirs de Valerius. Le sentier mène à un sanctuaire de chevaliers. Quelle terrible aventure jusqu'à présent. Des enfants enlevés, un royaume réduit en poussière. Je me demande ce que ces chevaliers d'antan diraient de ça. Sont rarement de notre côté. Les morts vivants ne sont pas amicaux d'habitude. Temps d'avancer. Et j'ai un nouveau truc bidule magique sur mon bouclier. Splendide. Transformé en oiseau.
Oui, ça lui arrive. C'est pratique. C'est pas une boîte ou une planche, c'est sûr. Que nager dans la boue. Je crois qu'on y est presque. Enfin une bonne nouvelle. Pontius avait hâte de revoir le bastion. Oh, je me rappelle la première fois qu'on a navigué ici. J'étais enfant et jouais aux mousses sur le bateau de mon père. Un bateau? Tu ne nous as jamais raconté ça, Pontius. Malheureusement, je tombais toujours malade une fois les amarres larguées. Ma sœur a eu le bateau et je suis resté sur la carte. J'ai vu mes chevaliers là. Dommage qu'ils soient en ruine. Ces brutes ont fait une très forte impression sur le petit Pontius. Assez ruminé. Venez, il est temps de faire notre propre impression sur ces soldats de plomb. Cet endroit est immense. Ça n'en finit pas. Rien que courir d'un endroit à un autre est un bon entraînement. Comment savoir laquelle de ces monstruosités mécaniques a volé les pouvoirs de Valerius? Continuons à chercher les chevaliers pétrifiés, et on finira par trouver la source. Intéressant petit atelier. Le hangar de l'aéronef. Je ne sais pas si c'est mieux que les aéronefs. Quand ce sera fini, je devrais emmener Margaret en croisière. Destroy!
Pontius avait hâte de revoir le bastion de l'espoir. Plus de chevaliers pétrifiés. Ça me fait mal, mais... Oh, les pauvres. Armé de ses pouvoirs de voyance. J'ai commencé à compter. Les triplés et les deux traîtres sont à bord de ce vaisseau. Trouvons un moyen de descendre. Pas de temps à perdre. Mes serviteurs, les voyants de Trine ont attaqué notre vaisseau adoré. Balayez-les par-dessus bord. Cet aéronef est ridiculement grand. Et fastueux. Voyons où mène cette table. Ce truc fonctionne ? Traces de feu. Ils étaient... Amadeus s'enfonça profondément dans les entrailles de l'aéronef, dans l'espoir de trouver des indices sur le sort de ses trois enfants et de leurs ravisseurs.
c'est de la magie de haut vol. Me revoilà. Alors ? Heureusement que ce vaisseau a été conçu pour flotter dans les airs. On dirait qu'il s'est stabilisé, je ne sais comment, mais on dérive sans but. La bonne nouvelle au milieu de tous ces nuages noirs, c'est que les triplés avaient l'air égaux à eux-mêmes. Roderick n'a pas encore absorbé leur personnalité pour les enfermer dans ces horribles automates. Oh, ces nuages noirs! Oh, c'est une expression! Je croyais qu'une tempête approchait. Je préfère des nuages dorés. Amadeus, tu penses qu'on pourrait tirer quelque chose de ça? Il faut peut-être réarranger les tuyaux. Ça a marché. Au moins, rien ne s'est cassé. On dirait qu'on est toujours en l'air. Ah, oh, super. C'est encore pire. Mais on n'est pas mort. Allons voir si on peut réparer l'aile. Je suis le roi du monde. Nos héros se lancèrent dans une... Aurore et Godric sont quelque part sur cette île flottante. Ils n'ont pas l'air d'être allés loin. La perspective peut jouer des tours. Ce qui semblait proche vu du ciel peut se révéler être à bonne distance à pied. Salut,
Nous allons retrouver les tribus. Je redeviendrai un héros, et Margaret voudra bien de moi. Et toutes ces épreuves seront derrière nous. C'est ça. Et le royaume et l'académie astrale seront réparés comme par magie. Et tous les seigneurs, dames et magiciens disparus vont réapparaître d'un coup de baguette magique. D'un point de vue réaliste, je dirais qu'on a environ une chance sur deux que ça finisse bien. Je déteste l'admettre, mais... Amadeus sont toujours entre nos mains. Je vous conseille de faire demi-tour. Relâchez-les immédiatement. Ou bien, on vous combattra. Fort. Nos ennemis doivent se cacher quelque part. Et ils ont toujours Julius, Lucius et Agnès. Nous deux. Seul le palais mécanique se dresse. Regardez, j'ai dépensé toute la fortune familiale
éléments de mon humble demeure. Des pièges ? Drôle de choix de décoration intérieure. La solution était donc un piège. Le palais est très bien pensé. Regardez, ils ont même des panneaux. Je crois que nous avons trouvé toute la magie volée aux étudiants disparus de l'Académie Astrale. Des vaisseaux là. Tant mieux. On pourra rentrer à la maison sans avoir à faire le grand saut. Vous pensez que les pouvoirs de Trine suffiront à nous tirer d'affaire? Ne me dis pas que tu doutes de nous. Je sais qu'on peut échanger de place et ne pas mourir, mais ça ne rend pas les triplés invulnérables. Il pourrait leur arriver tout un tas de choses absolument horribles. Oh, si seulement Trine était là. Elle pourrait sauver mes enfants. Elle était si gentille et intelligente. Elle saurait quoi faire. C'est moi ?
pièce est sinistre? De la chasse aux trophées. Ce seigneur est une véritable honte. Ces animaux me semblent familiers. C'est parce qu'on a combattu la version mécanique de chaque animal. Ils volent plus que les vies des magiciens pour créer ces machines. Grâce au pouvoir de Trine, tout rentrera bientôt dans l'ordre. Je ne sais pas, Pontius. Les triplés sont encore à la merci d'Aurore et Godric. Nous allons les trouver. Si seulement la vraie Trine était là, elle saurait. Préparez-vous, on va leur montrer. À l'heure la plus grave.